de l'esprit de la maladie de cœur et de nerfs. C'est ça. Et c'est toi qui donnes cette maladie, des problèmes de nerfs sciatiques, hein, des problèmes cardiovasculaires aux gens. C'est ça. Et tu rentres par quel moyen, dis-moi? Tu rentres par quel moyen? Par quoi? Par la nourriture, par les soucis, par la colère? Tu rentres par quel moyen? Par le nom de Jésus. Par quoi? Des soucis. Tu rentres par les soucis. Tu rentres par les soucis. D'accord. Et quels étaient les soucis que tu lui avais donnés? La dépression. La dépression. Ok. Tu utilisais des pions pour le faire? Qui? Son père. Tu utilisais son père comme pion. Qui d'autre? Sa mère. Sa mère. Voilà. C'est que tu utilisais comme pion Les membres de sa famille. les membres de sa famille. Oh, Seigneur Jésus. Et qui d'autre? Dans son entourage. Dans son entourage, à l'école et tout ça. C'est ça, non? Je veux la pousser au suicide. Tu voulais la pousser au suicide. C'est ça. Tu voulais pousser Sarah au suicide. D'accord? Par quoi? Par l'amertume? Par les soucis, c'est ça? Les soucis, l'amertume et le suicide, c'est ça? D'accord. Donc tu travailles avec l'esprit de l'amertume, de l'anxiété, La colère. la colère. Voilà, la colère. C'est là où on voulait en venir, la colère. Alléluia. C'est toujours la même rengaine. On vous enseigne que vous ne devez pas tomber dans la colère. Hein? Évitez de tomber dans la colère, c'est un piège pour l'âme. Vous allez demander à tous les sorciers, à tous les démons, comment ils arrivent à avoir accès aux enfants de Dieu, justement, qui ne peuvent pas. Mais ils vont les pousser à vous en les emmenant dans la colère. Quand vous tombez dans la colère, c'est fini. C'est une grande porte ouverte. La parole de Dieu dit, ne dormez pas avec votre colère. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous vous mettez en colère et que aussitôt vous ne vous repentez pas, que vous ne demandez pas pardon, c'est comme une autoroute, hein, une grande autoroute comme ça qui est ouverte, où tous les démons viennent s'installer dans votre vie. Ils vont commencer par le cœur. La parole de Dieu dit que là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Ils commencent par le cœur, ils vont rentrer dans toutes les autres parties du corps. Alléluia. D'accord. Ok, donc tu es rentré dans son cœur par la colère. Et ensuite, tu lui as donné l'amertume, le désir de se suicider. Et par la suite, tu as provoqué les maladies. L'amertume, elle a demandé pardon. L'amertume est quoi? Elle a demandé pardon tant qu'elle priait durant cette semaine. Elle a demandé pardon. Elle a demandé à Dieu de lui donner un cœur de pardon. Elle a demandé au Seigneur Jésus de lui donner un cœur de pardon. Alléluia. Et ça fait que l'amertume l'a quitté. Oui. Mais toi, tu es resté parce que toi, tu es lié à la maladie, tu es lié à son cœur, au problème de nerfs, c'est ça? Elle a pris. Et tu veux qu'elle se suicide. Oui. Et là, tu lui as donné quoi à son cou là? Pour qu'elle puisse porter les verres et que son monde vision disparaisse. Reprends cette partie là. Tu dis que tu lui as donné des problèmes de nerfs ici, au niveau de la nuque, oui. C'est ça, pour que ça affecte les yeux, afin qu'elle porte des verres et pour que ça puisse. Hein, affecter son don de vision. Bien-aimé, vous voyez comment les démons travaillent. Vous voyez la finesse, la malice, la ruse avec laquelle les démons travaillent. Ils vont la pousser à bout. Ils vont la pousser à se mettre en colère en utilisant son père, sa mère, sa famille, et ses amis de classe. Alléluia, son entourage, pour la mettre en colère. Évidemment, étant tombé dans la colère, l'esprit de suicide qui est lié à la maladie va rentrer dans son cœur. Alléluia. Maintenant qu'il est rentré dans son cœur, il est en train de lui donner des problèmes cardiaques. Pendant qu'on était là, je sentais des douleurs au cœur. Mais comme j'étais absorbé sur mon téléphone à préparer la vidéo, je n'ai pas fait la relation. Et il passe par le cœur, il rentre là dans la nuque. Hein, il est là et ici. Il est dans la nuque afin d'affecter ses yeux. Il va affecter ses yeux. Elle va porter des verres. Il va lui voler son don de vision, son don de songe. Or, elle est intercesseuse, c'est le six vases de l'éternel. Évidemment, une intercesseuse qui n'a pas les dons de vision, qui n'a pas les dons de songe. C'est comme. Un soldat d'élite qui n'a pas été formé, donc il n'est pas un soldat d'élite. Alléluia. Et donc du coup, même si on le poste quelque part, par lui, l'ennemi peut rentrer dans l'arène. Alléluia. Je te commande au nom de Jésus. Tu vas me retirer d'elle tes affections. Je t'ordonne au nom de Jésus. Tu vas me retirer d'elle tes affections. Regarde, obéis. Ce n'est pas marchandable. Ce n'est pas discutable. Tu m'entends? Ce n'est non négociable. Donc, tu t'arranges, mais tu me retires ça. Quand tu vas le retirer, je le sentirai. Oh, le Seigneur m'a donné cette qualité-là. Quand tu vas retirer ces affections-là, je vais les sentir dans mon cœur. Je t'en donne au nom de Jésus. Retire-moi les douleurs au cœur.
Retire-moi les problèmes de nerfs et rends-lui son don de songe et de vision. Tu ne lui donnes pas. Tu veux qu'on marchande avec toi, c'est ça? Tu veux qu'on discute avec toi, c'est ça? Mais tu penses qu'on est venu négocier? Elle va trop voir. Elle va trop voir. Ce sont tes dons, dis-moi, ce sont tes dons. Ils vous ont proposé l'argent. Je vous ai dit, ils vont proposer plus. La gloire, les femmes, les maisons, les voitures. Voilà. Les contacts même avec les faux pasteurs du Cameroun et du monde entier. Vous allez voir. Quand vous allez tomber sur Lucifer, lui, si vous dites oui, si vous dites oui, Lucifer, en tout ce que tu veux, on est d'accord. Les jours, les minutes qui suivent là, quelqu'un va vous appeler. Vous dites, mon maître me dit de vous dire de vous amener telle somme. Je l'emmène à quel compte? Mon maître me dit, ils vont vous dire, les concessionnaires de véhicules qui sont au Cameroun vont vous appeler, vous dire, notre maître nous a dit de vous amener telle voiture. Vous voulez quelle voiture? De quelle taille? De quelle vitesse? De quelle puissance? Ils vont vous amener ça. Mais c'est fini. C'est fini. Oh! Alléluia. Matthieu 4, lorsque le Seigneur a fini ses 40 jours de jeûne, Lucifer s'est présenté à lui. Il a tenté trois fois. À la fin, il lui présente la gloire du monde. Il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout. Regarde. Il lui dit, tout ça m'a été donné et moi, je te donnerai tout ça en possession. Vous dites oui à Satan, c'est fini pour vous. Alléluia. Boko Haram, c'est fini. Lorsque c'est comme Boko Haram, quand Boko Haram rencontre des chrétiens, il leur demande de renoncer à Jésus. S'ils le font, c'est fini pour eux. Quand Satan vous fait des propositions, il suffit seulement de dire oui. Matthieu 5, verset 35, je crois, ou verset 23, dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est qui vient après? Alléluia. Ils vont vous faire des propositions en échange parce qu'ils savent que Dieu vous a donné sa puissance et sa science. Ouais, ça ne les arrange pas. Et si vous êtes cupide, vous êtes animé de gloutonnerie et de l'esprit des mamans, ils vont vous avoir. Ils vont le faire, hein. Ils vont vous donner la gloire. Mais c'est fini, votre âme. Déjà vendu puissance, vendu fini. Vous êtes une coque vide. Vous travaillez avec vous. Vous êtes en train de travailler non plus avec l'esprit du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, mais avec leur esprit à eux. Donc vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, mais avec l'esprit de Satan. Et à la fin, le Seigneur vous dira, arrière de mon fils d'iniquité, car je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. Dépêche-toi. Tu m'as dit que tu t'appelais comme esprit méchant. Tu sais pas. Esprit de la maladie. Dépêche-toi, rends-lui ses biens. Fais vite, on n'a pas le temps. Dépêche-toi au nom de Jésus. Je te donne 3 secondes. Si après les 3 secondes, tu ne lui rends pas ce que tu lui as volé, le feu qui a détruit Sodome et Gomorre va s'abattre sur toi. Ce feu qui a détruit tes pères va s'abattre sur toi. Ce feu qui a détruit tes mères va s'abattre sur toi. 1. Hurry up. Do it now in the name of Jesus. 2. Homme de Dieu dans ses oreilles. 3. Ensemble. Feu. Il peut se boucher les oreilles, mais tout son corps est rempli de feu, envahi, embrasé par le feu. Rends-lui ce que tu lui as volé au nom de Jésus. Je me fous pas mal de qui t'envoie. Je sais que c'est Lucifer qui t'a envoyé. Rends-lui ses biens, sors dans le nom de Jésus. Non. Feu, 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 feu,
Feu, au nom de Jésus. Ça vous laisse le temps de travailler votre poumon. Sinon, si vous allez trop vite, à un moment, vous vous épuisez. Dépêche-toi. Seigneur, il va me détruire. Je me fous pas mal de qui va te détruire. C'est pas mon problème. Tu aurais dû refuser cette mission-là. Tu aurais dû refuser cette mission. Dépêche-toi. Je me fous pas mal de ce que Lucifer va te faire. Rends-lui maintenant cette mission. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. J'ai dit, je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Sans quoi, je vais invoquer l'ange de la mort contre toi, contre ton épouse, contre tes enfants. Je vais lui demander de tuer tout ce que tu as de plus cher. Je lui demanderai de tuer, de détruire tout ce qui fait ta fierté. De détruire même tes champs, tes entreprises et tout ce qui te porte en cœur au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Non. Dépêche-toi. Non. Sans quoi, tout ce que tu as de plus cher va être frappé par l'ange de la mort. Ange de la mort, je t'ordonne au nom de Jésus. Descends dans son royaume. Descends dans son royaume. Nom de Jésus. Et va cibler sa femme et ses enfants. Nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus qu'à cette heure même où je parle, qu'il y ait deuil dans sa maison. Qu'il y ait deuil dans sa maison. Nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ton épouse soit frappée de mort. Nom de Jésus. Que tes enfants soient frappés de mort. Nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus que l'ange de la mort fasse un carnage dans ta maison. Nom de Jésus. Que ta femme soit frappée par l'ange de la mort. Que tes enfants, tes fils et tes filles, tous autant qu'ils sont, soient frappés par l'ange de la mort. Nom de Jésus. Que tes champs soient détruits. Que toutes tes entreprises soient détruites. Au nom de Jésus. Que tes activités soient détruites. Au nom de Jésus. La malédiction s'empare de toi. Que le deuil s'empare de toi. Que le deuil s'empare de toi. Que tous ceux avec qui tu travaillais soient frappés de mort. Il y a deuil dans ton royaume. Deuil dans ton royaume. Deuil dans ta demeure. Deuil dans ta maison. Ta femme meurt devant toi. Et il n'y a personne pour la venir pour lui venir au secours. Tes fils meurent devant toi. Et il n'y a personne pour les venir au secours. Tes filles meurent devant toi. Et il n'y a personne pour les venir au secours. Oui, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel qui t'interdisait de toucher à sa prophétesse. Oui, maintenant, j'ordonne que l'ange de la mort s'empare de toi. Tes champs sont détruits et maudits. Tes entreprises sont détruites et maudites. Tes biens sont détruits et maudits. L'ange de la mort s'empare de tous tes biens. Il y a deuil dans ta famille. Il y a deuil autour de toi. Oh oui, le deuil qu'avait subi Pharaon, tu le subis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends que le destructeur vienne maintenant détruire toute ton armée, tout ton royaume au nom de Jésus. Le destructeur crée la confusion dans ton camp. Il y a mort, 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 au nom de Jésus. Je veux rappeler à quelqu'un que l'ange de la mort au-dessus de toutes les entités démoniaques. Alléluia. C'est pourquoi à la fin des temps, la Bible dit que après l'enfer et tout, le dernier qui sera tué, qui sera jeté dans le lac ardent de feu, c'est la mort. Alléluia. La mort est au-dessus de Satan. La mort gouverne toutes choses. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez utiliser l'ange de la mort contre eux. Dépêche-toi, prends le Seigneur. Retourne l'ange de la mort. Vous pouvez retourner 1 Corinthiens 15, verset 55, contre eux. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55, il est dit que, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous pouvez retourner les aiguillons de la mort contre eux. Regardez, je commande au nom de Jésus. Maintenant, les aiguillons de la mort, ce sont des aigus. On le voit dans le vaudou. Dans le vaudou, les magiciens vaudou vont utiliser un crucifix. Mettre des laines dessus, invoquer le nom de quelqu'un, utiliser des aiguilles pour perforer chaque articulation de la personne. Ces aiguilles-là, nous aussi, on peut les utiliser contre les démons. Alléluia. Je commande au nom de Jésus que les aiguillons de la mort te frappent à toutes les articulations. Au nom de Jésus. Aiguillons de la mort, j'ordonne au nom de Jésus, frappez-le. Au nom de Jésus. Frappez-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends sa santé, rends-la lui. Enlève les douleurs au cœur. Enlève les nerfs sciatiques au nom de Jésus. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi au nom de Jésus. Tu vis dans quel milieu? Dans la mer? En enfer? Dans le premier ciel? Dans le deuxième ciel? Où est-ce que tu vis, esprit méchant? Toi dont le nom est la maladie. Où est-ce que tu vis? Tu viens d'où? Avant qu'on ait t'assigne cette mission, je t'ai logé dans quel monde? Avant que Lucifer t'assigne cette mission, dans quel monde étais-tu logé? Je saisis l'épée du grand canage. Et je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Je te presse le cœur au nom de Jésus. Je te presse le cœur au nom de Jésus. Je te presse le cœur au nom de Jésus. Je te presse le cœur au nom de Jésus. Je te presse, 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 presse,
Où ça? Tu viens de l'enfer. D'accord. Tu sais qu'en enfer, il y a un monde, il y a un milieu qui s'appelle le cœur de l'enfer, où tous les démons de ton espèce sont jetés par Lucifer et sont détruits par sa crémaillère. Tu sais? Tu le sais, n'est-ce pas? Oui ou non? Il connaît, il dit ceux qui échouent à la mission. Dans le cœur de l'enfer, Satan va les jeter là-bas et les détruire avec la crémaillère. Tu sais que c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Tu le sais? Tu le sais? Ah, tu pleures. Tu sais que c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Tu sais que Satan ne va pas te faire cadeau. Tu le sais? Tu avais bien demandé ce que tu étais prêt pour cette mission. Tu l'avais dit, n'est-ce pas? Oh, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Aucun démon n'a intérêt à régner dans le cœur, dans le corps des enfants de Dieu. C'est ton cas. Rends-lui ce que tu l'as volé, Seigneur. Sinon, nous allons te briser. Nous allons te déchirer le cœur. Nous allons te faire manger ton propre cœur. Si tu vas dévorer ton cœur, puisque tu aimes la chair humaine, le sein humain, puisque tu aimes, torturer les âmes, tu vas subir les mêmes choses. Mais la douleur sera multipliée par 7. Toutes les fois, nous allons invoquer une plaie contre toi, une arme, un verset biblique contre toi. Je vais demander au Saint-Esprit, à ses anges, de doubler, de septupler l'intensité. Dépêche-toi. Je saisis une dague empoisonnée et je te baisse les yeux. 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 Je les baisse. Baisse. Je te baisse les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas fini avec toi. Je te commande au nom de Jésus. La même dague qui t'a percé les yeux. Je te fends la poitrine en deux. Au nom de Jésus. Je fends ton cœur en deux. Au nom de Jésus. Je l'arrache de toi. Tu dévores ton propre cœur. Dévore-le. Dévore ton propre cœur. Dévore-le au nom de Jésus. Dévore ton propre cœur. Dévore-le au nom de Jésus. La loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, s'applique à toi au nom de Jésus. Dévore ton propre cœur. Dévore ton propre cœur et bois ton propre sang. Dévore ton propre cœur et bois ton propre sang au nom de Jésus. Dévore ton cœur, dévore ton cœur, dévore ton cœur, dévore ton cœur. Dévore ton cœur, dévore ton cœur, dévore ton cœur. Dévore ton cœur, dévore-le, dévore-le. Tu as le léger dans son cœur, le sang vite. Dévore ton cœur, vite, vite. Le sang. Dévore ton cœur au nom de Jésus et bois ton propre sang. Dévore ton cœur et bois ton propre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, fais sortir d'elle toutes tes semences. Vomis-les. Je déclare au nom de Jésus. Le livre de Matthieu 15, verset 13 dit que tout arbre que le Seigneur Jésus n'a pas planté sera déraciné. Maintenant, je proclame que tu bois le sang de Jésus. 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 Et fais sortir d'elle ta maladie, tes problèmes de cœur ainsi que tes problèmes de nerfs. Bois le sang de Jésus. 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 Nous invoquons le sang de Jésus contre toi. Que soit le sang, 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 le sang de Jésus, le sang, 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 bois le sang de Jésus. 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 Et les nerfs sciatiques. Tu n'as rien fait, menteur. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois ta main, enlève-moi les douleurs que tu as dans ta vie, dans ton cœur. Bois le sang de Jésus. 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 Je veux que tu poses l'action. Bois le sang de Jésus. 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 Jésus. Va me le chercher au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus.
Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Menteur. Bois le sang de Jésus. Tu sens ce fond son cœur. Va le chercher. Bois le sang de Jésus. 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 Va chercher son cœur. Va me le chercher. Va me le chercher. Bois le sang de Jésus. 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 Va chercher son cœur au nom de Jésus. Va chercher son cœur. Va le chercher. Va chercher son cœur au nom de Jésus. Va le chercher. Va chercher le cœur. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Va le chercher. Bois le sang de Jésus. Va le chercher. Bois le sang de Jésus. Va le chercher. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Va chercher son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Va chercher. Bois le sang de Jésus. 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 Et rends-la lui au nom de Jésus. Tu retires la colère d'elle. Tu enlèves le problème de nerfs au nom de Jésus. Tu prends aussi son nom de vision, le sang, le nom de Jésus. Bois le sang 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 de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Va chercher son cœur. Va chercher son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang 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 de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang 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 de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Récupère son cœur. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère son cœur. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Casse ton vite, 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 vite. Récupère son cœur. Dépêche-toi au nom de Jésus. Récupère son cœur au nom de Jésus. Je me fous pas mal de cela. Fais-le! Au nom de Jésus. Casse! Rends-lui son cœur au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Tu as volé. Il est temps maintenant que tu fasses la restitution. Bois le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, tu récupères ce cœur. Bois le sang de Jésus. Récupère le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Récupère le nom 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 de Jésus. Pose-le sur son cœur au nom de Jésus.
repose. Bois le sang de Jésus. Pose le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Pose le nom de Jésus. Remets sa place au nom de Jésus. Remets le nom de Jésus. Hurry up! Dépêche-toi au nom de Jésus. Remets le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Remets le nom de Jésus. Tu le remets. Tu le remets. Tu le remets. Pour le scellons dans le sang de Jésus. Maintenant, je déclare que toi, esprit de colère, sors d'elle par le bâillement. Colère, je te commande au nom de Jésus. Sors d'elle par le bâillement. Colère, je te commande au nom de Jésus. Sors d'elle par le bâillement. Viens fumer à l'intérieur. Tu sors au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Colère, sors d'elle par le bâillement et par le vomi. Colère, je t'en donne au nom de Jésus de sortir d'elle. Colère, je t'en donne au nom de Yehoshua Mashiach. Sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle par le vomi. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire-moi les problèmes de nerfs que tu as mis ici. Et par la suite, au nom de Jésus. Obéis au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Obéis au nom de Jésus. Obéis au nom de Jésus. Tu retires les problèmes de l'initiative. Le sang de Jésus. Tu enlèves les problèmes de l'initiative. Au nom de Jésus. Tu enlèves les problèmes de l'initiative au nom de Jésus. Détache-les. Tu enlèves au nom de Jésus. Tu enlèves au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire-toi au nom de Jésus. Enlève tout. Enlève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu agis. Fais-le au nom de Jésus. Enlève tout. Au nom de Jésus. Retire tout d'elle. Retire, c'est pas fini. Des problèmes de nerfs sur elle. Seigneur Jésus. Obéis. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux plus contrôler tes mouvements. Tu fais ce que le Saint-Esprit t'ordonne au nom de Jésus. Retire-le, retire-le, retire-le au nom de Jésus. Retire-le au nom de Jésus. Quand tu auras fini, tu le rends son don de sang glorifiant. Au nom de Jésus. Allez chercher, alléluia. Au nom ils sont dans de le Jésus. Tombeau, retire-les. Retire-les. Le tombeau est ouvert. Au nom le de tombeau Jésus. Est ouvert. Au nom de Jésus. Obéis au nom de Jésus. Jésus. Obéis au nom de Jésus. Allez, obéis. Son don de vision, son don de songe. Et tous ces autres talents, ces autres dons, et tu les lui rends au nom de Jésus. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Feu. Tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu ne peux plus résister. Tu ne peux plus résister. Tu le poses au nom de Jésus. Tu le poses au nom de Jésus. Obéis au nom de Jésus. Pose le nom de Jésus. Je scelle son don de vision dans le sang de Jésus. Son don de sang, je récupère le nom de Jésus. Je récupère son don de sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère tout. Au nom de Jésus. Récupère tout. Je le scelle dans le sang de Jésus. Tous ces autres talents, c'est pas fini. Au nom de Jésus. Tous ces autres talents, récupère-les. Récupère tout ce que tu as donné. Tous ces autres dons au nom de Jésus. Je saisis les perdus de Jésus et je te mets là. Dépêche-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle tout dans le sang de Jésus. Le succès de ses études, l'amour pour ses études, l'amour pour Christ, tous ses dons, tous ses talents, ses biens, ses étoiles, récupère tout et rends-les-lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celle dans le sang de Jésus, 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 je le scelle 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 dans le sang de Jésus, quand tu auras fini, tu sors d'elle. Ça, c'est quoi que tu veux pas lui donner? C'est quoi? Don d'audition. Non, c'est pas ça. C'est quoi que tu as là que tu ne veux pas lui donner? C'est quoi? Parle au nom de Jésus. Parle sans quoi je ne vais pas avaler de la cible venant du troisième. Parle au nom de Jésus. La prophétie. Voilà. Ramasse ça et ramène le nom de Jésus. Rends-lui ce don-là. Dépêche-toi. Obéis. Le livre de 1 Samuel 15, verset 22 dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On nous interdit ce don. On ne peut tout remettre pas ce don. Tu penses qu'on est venu pour marchander, pour discuter avec toi? Si tu penses obéis. Que c'est du cinéma? Rends-lui son don de prophétie. Au nom de Jésus, tu obéis. Fais vite. Tu sais pertinemment que tu as lui donné. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous connaissez l'affaire. Vous savez que quand vous êtes devant le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire non. Vous le savez pertinemment. Si je remets, tu ne vas pas l'utiliser. Attends. Si toi tu remets, Dieu ne va pas l'utiliser. Toi tu es devenu Dieu. Mais demande quand tu sais qu'il il ment quoi. Si tu lui remets son don de prophétie, Dieu ne va pas l'utiliser. Et pourquoi Dieu ne va pas l'utiliser? Dis-moi. Tu ne sais pas. Gifle du Saint-Esprit. Gifle du Saint-Esprit. Gifle, 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 gifle. Ramasse son don de prophétie, rends-la lui au nom de Jésus. Gifle du Saint-Esprit. Carrément, si lui donne, Dieu ne va pas l'utiliser. Tu es Dieu. Maintenant tu penses à la place de Dieu. Remets-lui ça. Remets-lui au don de Jésus. Et yo, donc toi tu ne veux pas qu'elle ait la plénitude. Mais là toi tu te fais passer pour le Saint-Esprit. C'est toi qui juges maintenant des enfants de Dieu qui doivent recevoir le Saint-Esprit, c'est ça. Tu ne veux pas qu'elle ait la plénitude. Mais ça ne dépend pas de ton pouvoir, ni de ton pouvoir. Cela dépend du Saint-Esprit. Je te saisis par la gorge. Je te commande au nom de Jésus.
Ramasse mon son don de prophétie. Rends-la-lui au nom de Jésus. Ramasse tout. Rends-la-lui au nom de Jésus. Tu penses qu'on est venu pour négocier? Rends-lui son don de prophétie. Je scelle son don de prophétie dans le sang de Jésus. Allez, toi, disparaît comme une vision nocturne. Sors d'elle. Sors, toi qui as venu dire ouais, que Dieu va bénir. Sors, sors. Si tu ne sors pas d'elle dans les 3 secondes qui suivent, nous allons te prendre. Ne reviens plus jamais. Même ta main dans ton spectrum, t'arracher le cœur, t'arracher les boyaux, t'arracher le foie et le poumon au nom de Jésus. Dépêche-toi, sors d'elle. Va dire à ton maître que tu joues dans sa vie. Sors d'elle. Déclarant ton nom, cet échec. Et je prophétise sur sa vie. Maintenant, le Seigneur l'utilise dans la prophétie, dans la vision, dans les sons. Le Seigneur fait d'elle un vase. À qui le soigne l'église de Jésus revient. Yaoundé recevra des messages, des sceaux, des avertissements, même des sciences cachées. Au nom de Jésus. Et je scelle ses prophéties dans le sang de Jésus. Je déclare qu'elle réussit dans ses études. Je déclare que le Seigneur Jésus fait d'elle une femme de distinction, de haut rang. Je déclare qu'elle se marie, elle a des enfants. Je déclare que c'est une femme de prière, une femme zélée. Elle sert Dieu avec empressement. Elle ne néglige pas les ordres et les commandements que le Seigneur Jésus lui donne. Non, je scelle cela dans le sang de Jésus. Je déclare que par elle, plusieurs jeunes filles de sa génération sont gagnées à Christ. Je déclare au nom de Jésus, comme Joseph l'a été pour sa famille, l'Esprit de Dieu fait d'elle le Joseph de sa famille. Le Joseph de sa famille. Par elle, toute sa famille sort de prison. Par elle, toute sa famille sort de la prison de l'idolâtrie. Par elle, je le déclare et je le prophétise. Toute sa famille sort de la prison de l'idolâtrie. Toute sa famille sort de la prison de l'idolâtrie. Toute sa famille sort de la prison de l'ignorance. Toute sa famille sort des ténèbres. Et même l'âme de sa famille sort de la prison de l'idolâtrie ancestrale. Au nom de Jésus. Et tu ne peux rien contre cela. Maintenant même, libère sa vie. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Sors d'elle. Va dire à ton maître Lucifer que tu es chaud dans sa vie. Va-t'en. Lucifer, Sors d'elle. Je commande que le lion résistant de la tribu de Juda te poursuive maintenant. Va-t'en. Délia. Car il est dit dans Matthieu 18, ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Cours, va-t'en, fuis. Fuis, va-t'en. Libère-la. Détache-toi d'elle. Détache-toi d'elle, ça va. C'est fini maintenant, va-t'en. Je déchire toute alliance satanique qui existait entre elle et toi. Je déchire, je révoque, j'annule toute alliance de sang, de nom, de parenté, d'idole qui existait entre elle et toi. Je saisis le marteau, le grand marteau qui a détruit des chars et des cavaliers, qui a détruit des nations, qui a détruit des pères et des fils. Et je brise toute idole de ces pères dans lesquels tu régnais. Je brise ces idoles. Je brise ces idoles. Je les brise. Je les brise. Au nom de Jésus. Je les brise. 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 Au nom de Jésus. Sors d'elle en morceaux. Toi et tous tes cadavres qui puent dans ton camp au nom de Jésus. Sors d'elle. Retourne en enfer. Sors. Va dire à ton maître que tu es chaud dans sa vie. Ça n'est fini. Sors. Sors d'elle. Libagache, tout a confié. Allez, sortez de son corps, sortez. Je peux pas mal maintenant le sortir, ça. Sors d'elle. Nous t'ordonnons au nom de Jésus de la délier. Délie-les, va-t'en. Les livres de Matthieu 18, verset 18 nous dit que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Nous t'ordonnons au nom de Jésus de la délier. Au nom de Jésus. Je rends tous les liens de la servitude. Je saisis les pergules de notre Seigneur Jésus. Et je rends tous les liens de la servitude. Tous les liens de la servitude sont rompus. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de la servitude, de la colère, de l'amertume, des soucis, de l'anxiété sont brisées. Au nom de Jésus. Je déchire le vêtement du suicide. Toi, esprit de suicide, sors d'elle aussi. Sors d'elle comme tu es venu. Toi, l'esprit de suicide, sors d'elle. Il était déjà là. Le sceau
Sors d'elle comme tu es venu au nom de Jésus. Toi, l'esprit de suicide, ouvre la bouche et sors d'elle. Nous ne voulons plus jamais te voir dans sa vie. Toi, l'esprit de suicide, sors d'elle comme tu es venu. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors. Dépêche-toi au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Dépêche-toi au nom de Jésus. Avalez-le. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Dès qu'on revient directement sur le rituel, on va refaire le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Dieu met une pause, il ne faut pas couper. En principe, lorsqu'une délivrance est achevée, alléluia, vous devez automatiquement passer au baptême du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu nous enseigne selon Matthieu 12, verset 43 à 45, que lorsqu'un démon est chassé, il va dans les lieux arides, bien entendu, il le rôde. Et après, s'il vient et qu'il trouve que le lieu où il était chassé, alléluia, est propre et ordonné, ça veut dire quoi? Propre et ordonné. Ça veut dire vide du Saint-Esprit. Si le lieu est vide du Saint-Esprit, il reviendra avec sept autres démons. Nous savons tous que la nature a horreur du vide. Et donc, lorsque vous chassez les démons, que vous n'évitez pas l'Esprit de Dieu à venir habiter dans son temple, les vieilles natures vont revenir. Amen. Donc, demandez au Saint-Esprit de venir habiter corporellement sa brebis. Alléluia. Pour qu'il fasse de son corps son temple. Et donc, il ne faut pas laisser une délivrance comme ça, inachevée, puis partie. Sinon, la personne va revenir encore avec les mêmes démons, mais multipliée par sept, et sa situation sera pire que celle de la première. Amen. C'est pourquoi, par science, après délivrance, nous demandons au Saint-Esprit de baptiser ses enfants, de remplir ses enfants de feu. Amen. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et pendant avant le baptême du Saint-Esprit, vous devez passer au revêtement spirituel. Le revêtement spirituel, c'est ceci. C'est ce que les livres d'Éphésiens 12, verset 6, Éphésiens 6, verset 12 à 18. Alléluia. Hein? Éphésiens 6, verset 12 à 18 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, les autorités, les princes, les ténèbres et tout ça. Donc, à la suite, vous allez voir, au verset 13, le Seigneur nous parle de la fermeté. Donc, évidemment, on va la revêtir des vêtements de fermeté. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous revêtions ces brebis de la fermeté? Parce que malheureusement, beaucoup de brebis ne font pas qu'écouter le groupe international d'évangélisation Jésus vivait. Ils ne font pas qu'écouter la sainte doctrine. Ils vont aussi écouter des faux docteurs qui enseignent la percée financière, qui enseignent la prospérité, qui enseignent les biens matériels, qui enseignent le leadership, qui enseignent le mariage, le voyage, la sortie astrale, la théologie, la scientologie et tout ça. Or, l'Esprit de Dieu est contre ce genre de choses. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un soit riche. Dieu n'a rien contre les riches. Mais Dieu est contre le fait qu'on utilise la richesse comme un objet d'idolâtrie. Et c'est pourquoi il est difficile à bon nombre de riches de venir à la vérité. Parce que leur cœur est attaché à leur bien matériel. Or, le bien matériel ne saurait donner le salut aux riches. Shalom. Tu es toute belle. Comment tu vas? Alléluia. Donc, le but du Seigneur, ce n'est pas qu'on vienne ici-bas acquérir des biens matériels. Le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on fasse son œuvre, sa mission, mission pour laquelle il nous a appelés. Mission de repentance, mission de renoncement, mission de démondement, mission de marche perpétuelle, hein, dans sa saine doctrine, qui sont les commandements, les préceptes, les ordonnances, les lois morales de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, lorsqu'on s'attache à ces choses, Dieu, dans sa bonté infinie, peut nous bénir. Hein, je veux rappeler à quelqu'un, selon Deutéronome 28, verset 1 à 13, que le Seigneur dit, si vous observez mes commandements, si vous marchez selon mes voies, si vous persévérez, et si vous le faites aujourd'hui, voilà les bénédictions qui vous accompagneront. Dieu veut bénir son peuple, mais Dieu ne peut bénir son peuple que si son peuple marche conformément à sa parole, marche conformément à la sainte doctrine, se répand de ses péchés, abandonne ses mauvaises voies et persévère dans la foi. Sans quoi vous allez beau crier à Dieu, Dieu ne viendra jamais dans votre vie, que ce soit pour vous délivrer, que ce soit pour vous guérir, que ce soit pour vous restaurer. Dieu veut d'abord voir un changement
Dieu est le Dieu de la conversion et non le Dieu de la stagnation et non le Dieu de la péché, du péché. Dieu ne va pas voir ses enfants dans le péché et venir les bénir. Si tu demeures dans le péché et que tu es béni, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui te bénit, c'est le diable qui te bénit pour te conforter dans ton ignorance. Vous dites, ouais, vous parlez de Jésus là, mais moi j'ai une voiture, j'ai des maisons, j'ai des biens, mais je suis béni. Non, 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 non. Le diable aussi bénit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte à la repentance, à chercher véritablement à marcher selon les voies, le commandement et les lois morales de notre Seigneur Jésus. Dans les mains. Extra-fille. Toi, tu es ici, non? Voilà. Fais tes réponses spirituelles. On va voir ce que vous avez appris après notre passage. Bien joué. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, à ta tête, il y a la religion, tu casses du salut. Non, tu la refais d'abord du vêtement de la fermeté. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que je reste. Pour pouvoir tout ça, si c'est vraiment rentré dans l'esprit de tous les serviteurs de Dieu. Allons-y. Nous la répétons maintenant. Du vêtement jusqu'en bas. Voilà. Ça commence ici même. La fermeté. Au nom de Jésus. Ça commence au milieu là-bas. Nous la répétons. Du vêtement de la fermeté. Voilà. Non, à sa tête, nous mettons le casque du salut. Alléluia. Pour qu'elle demeure toujours dans le salut. Au nom de Jésus. Pour toutes les pensées impures de l'ennemi. À sa poitrine, nous mettons maintenant la cuirasse de justice. Allez, pour qu'il demeure dans la justice, quels qu'en soient les jeunes issus de ce monde. À ses hommes, nous mettons maintenant la ceinture de vérité. Oui, je suis toujours proclamé la vérité. À ses pieds maintenant, oui, nous mettons les chaussures du zèle de l'évangile pour marcher, annoncer l'évangile du Seigneur. Alléluia. Souvent quand vous le faites, vous allez voir. Le Seigneur va envoyer l'ange de l'Éternel, mettre des bottes en feu. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si vous le faites avec force, vous allez voir, il y a du feu. Elle peut même se mettre à courir et à évangéliser. Pendant que vous le faites, quand vous arrêtez là, elle peut même se mettre, le Saint-Esprit peut la pousser à sortir dehors et à crier, répentez-vous, les temps sont mauvais, les temps sont finis, le royaume des cieux est proche, le Christ est à la porte. Quand vous le faites souvent, le Saint-Esprit peut confirmer, peut amener la personne à se mettre, évangéliser pendant quelques minutes, et après il la ramène. Gloire à Jésus. Amen. Ta main gauche maintenant, nous mettons le bouclier de la foi. Saisis maintenant ton bouclier à autorité. Sèche ton bouclier. Oui, ça main droite, maintenant nous mettons les épées. Ne vous pressez pas quand vous faites le révélation spirituel. Ne vous pressez pas quand vous faites l'œuvre de Dieu. Prenez votre temps, doucement, doucement. Le Seigneur veut. Le Seigneur est rapide. Et vous, allez-y doucement, doucement. Vous allez voir l'effet. Pendant que vous parlez, vous allez voir l'effet qui accompagne ce que vous dites en la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, saisis maintenant ton bouclier. Saisis la autorité au nom de Jésus. Saisis-la. Avec autorité, saisis-la. Avec force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de maintenant, Jésus. Allez, baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, si tu l'as dit, digne. Allez, Seigneur Jésus, la main tendue sur la frontanière. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, si tu l'as juste digne de recevoir ton Esprit Saint, maintenant nous te prions de le lui accorder. Remplis-la de feu. Rappela, Père éternel, je prie maintenant que tu délies sa langue. Seigneur, ce qui s'est passé dans Actes 2, versets 1 à 17, lors de l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur, si tu le veux, permets-nous de voir ce que je... Seigneur, si tu le veux, permets-nous de voir cela aujourd'hui. Seigneur, remplis sa langue de feu et donne une feuille de route. Donne une feuille de route, Seigneur Jésus, à ta servante et aussi à ton église. En ce qui concerne le moment de mise à part, en ce qui concerne le moment de consécration dont tu m'as dit de leur parler hier. Et ce que tu veux, ce que tu reproches à ton église au nom de Jésus, saisis sa langue et parle à ton église. Parle à tes serviteurs. Parle à l'église de Yaoundé. Seigneur, saisis sa langue et parle à ton église.
maintenant que tu l'as délivré totalement et que tu l'as encore ton esprit sain. Au nom de Jésus. Seigneur, as-tu une feuille de route pour tes serviteurs de Yaoundé? As-tu une feuille de route pour l'église de Yaoundé? Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans la vie de ta servante Sarah. Manifeste ta puissance. Que vous avez donné à l'église, vous avez demandé à toute l'église de se repentir, alléluia, de se repentir sincèrement et de poser l'acte de la repentance, de se débarrasser de toute forme de souillure, de se débarrasser de toute forme de souillure, que ce soit dans leur temple, que ce soit manque Jésus. De manque de pardon. Manque de pardon. Pourquoi vous ne savez pas vous aimer? L'amour, c'est l'un des fruits de l'esprit. Vous pouvez manifester tout, mais si vous ne manifestez pas l'amour, vous n'entrez pas. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Un peu le sang, l'amour. L'amour. Quand il y a de l'amour, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Quand il y a de l'amour, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Je suis un Dieu saint. Manifestez la paix. Manifestez la patience. Manifestez la tempérance. La douceur. Soyez fidèles. Car celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera récompensé. Il aura la couronne de vie. Alléluia. La couronne de vie. Amen. La couronne de vie. Amen. Un vêtement glorieux. Alléluia. Vanité des vanités. Tout est vanité. Ah, Jésus. Les choses de ce monde sont éphémères. Ils périront tous. Mais l'âme ne périt pas. L'âme ne périt pas. Mon peuple évangélise. Évangéliser. L'évangélisation est plus importante que tous les dons. Oui, vous pouvez prophétiser, mais ça ne vous assure pas le paradis.
Vous pouvez avoir le don d'audition, mais ça ne vous assure pas le paradis. Toutes ces choses sont éphémères. Tout, j'ai dit bien, toutes ces choses sont éphémères. Ça passera, la prophétie va passer. Le don de vision va passer, mais la parole de Dieu demeure éternelle. La parole de Dieu demeure éternelle. Un Dieu saint, saint, sainteté. Les anges, ils crient chaque jour, les 24 villages se prosternent, ils se prosternent. Qui êtes-vous, vous hommes, qui êtes-vous pour contester avec le roi de gloire? Qui êtes-vous pour contester avec ma demeure sainte? Qui êtes-vous? Vous pensez que vous êtes souillés et vous entrerez dans mon royaume? Jamais. Je dis jamais, même si vous êtes dépouillés physiquement et une seule tâche. J'ai dit une seule tâche, vous n'entrerez pas. La sainteté du cœur, la sainteté du corps, la sainteté de l'âme. L'âme a plus de valeur que les millions. L'âme a plus de valeur que les biens de cette terre. L'âme est plus précieuse que l'or. Ton âme est plus précieuse que tout. Demeure ferme. Demeure ferme à ma parole. Demeure ferme. Beaucoup. Cherchez ma face. C'est moi qui remplis. Je connais les persécutions de mes enfants. Je fortifie mes enfants. Apôtre Janice, viens écouter. Je fortifie mes enfants. Je fortifie mes enfants dans le temps de détresse. Je suis le lion de la tribu de Juda et je marche comme un lion rugissant. Satan ne peut pas toucher à mes élus. Mes élus m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Mon épée est assainie. Il est tenu prêt à décapiter. Prêt à couper toute tête qui s'élèvera contre mes enfants. Mais demeurez sans. Car si vous êtes dans le péché, le Saint-Esprit n'entrera pas. Il n'entre pas dans les temples souillés. Ne donnez pas l'accès au diable. Je suis un Dieu saint et je demeure dans ma parole. Si tu es dans le péché, comment pourrais-je te défendre? Ne brisez pas l'alliance. L'alliance éternelle. Ne brisez pas cette alliance par le péché. Non, le péché brise l'alliance. Attention, les temps sont finis. Je dis les temps sont finis. Regardez-les. Ne dites pas, Seigneur, depuis tu dis que nous, tu reviendras. Quand reviendras-tu? Je reviendrai. Je suis à la porte. Mais je ne veux pas que mes enfants périssent. Si je reviens maintenant, beaucoup de ces prostituées qui sont mes enfants, qui sont mes servantes, n'entreront pas. Si je reviens maintenant, ces voleurs n'entreront pas. Allez chercher mes enfants. Allez les chercher dans l'abîme. Allez les chercher dans la vie de pourriture dans laquelle ils se trouvent. Évangélisez vos familles. Vos familles doivent venir. Ils sont mes enfants. Que ta mère soit sorcière ou pas, c'est ma fille. Que ta mère soit sorcière ou pas, c'est ma fille. Moi aussi, je veux que son âme soit gagnée. Je veux que son âme soit gagnée. Évangéliser. Ne dites pas mon parent est sorcier. C'est vrai, il est sorcier, mais c'est mon âme. C'est mon enfant. Je n'ai pas créé de sorcier. J'ai créé l'homme à mon image. Je n'ai pas créé de sorcier. Peu importe ce que vos femmes font. Évangélisez-les. S'ils refusent, intercédez. L'intercession. Vous ne connaissez pas le pouvoir caché de l'intercession.
l'intercession. Tu peux dire, Seigneur, 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 voilà ma famille. Je prie, je prie, je prie, mais ils ne sont pas venus à Christ. Attention, quand vous priez, ne vous plaignez pas. Attendez, la prophétie s'accomplira. Au nom de Jésus. Elle va s'accomplir. Au nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez développer la patience. La patience. La patience, car celui qui est pressé perdra beaucoup. Celui qui est pressé perdra beaucoup. Vos familles, quand vous intercédez pour eux, connaissez-vous combien d'alliances se brisent? Plein d'alliances se brisent. Plein d'alliances se brisent. Plein, plein, plein de murs. De murs se brisent. Et je fais un pas. Un pas d'étoile brillante du matin. Un pas. Un pas. Jésus. 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 Un pas devant les chœurs. Et les cœurs. Les cœurs m'appartiennent. Dans ma main, qui peut contester? Qui peut contester? Mais Satan ne peut pas s'élever contre moi. Au nom de Jésus. Qui peut contester? Toi, homme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je laisse ça, beaucoup. C'est vraiment un souvenir. Je vais mettre ça sur ma page, mais c'est un puissant moment. Je laisse beaucoup. Si je laisse beaucoup, beaucoup de choses arriver, c'est pour montrer ma gloire. Alléluia. Ma gloire. Alléluia. C'est pour que l'homme comprenne qu'il n'est rien. Alléluia. Il n'est rien sans moi. En un claquement de doigts, l'homme deviendra comme un bois mort, un bois sec. Oh. En un tout petit claquement de doigts. Mais suis un Dieu méchant. Oh, non. Pas du tout, papa. Un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu de patience. Si tu ne peux pas être patient avec ton frère, t'attends-tu à ce que moi je sois patient avec toi? Toi qui pêches minute par minute, seconde par seconde. Et lorsque ton frère te fonce, tu dis c'est fini. Plus de communication. Sinon c'est faux. C'est faux. Ne développez pas les caractères du monde. Ça, ce sont des caractères du monde, des caractères qui héritent ma présence. Beaucoup, beaucoup de mes enfants peuvent me dire, mais si les cœurs sont sales, je ne descendrai pas. Je ne descendrai pas. Parce que je demeure là où il y a la sainteté. La Bible ne vous le dit pas. Je suis un Dieu saint. Alléluia. Un Dieu saint. Verset 26. Si vous n'avez pas les fruits de l'esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Si vous n'avez pas les fruits de l'esprit, je ne viendrai pas. Alléluia. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la Bible. Approchez-vous, vous allez écouter. C'est pour l'église de Yaoundé, c'est pour l'église du monde entier. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la Bible. Vous ne lisez pas, vous ne méditez pas. Il y a différence. Beaucoup d'entre vous prennent la Bible et lisent, mais ils ne comprennent rien. Prenez vos Bibles et demandez Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je veux comprendre. Je veux comprendre ta parole. La Bible a des mystères cachés. Des mystères cachés que la science de l'homme ne comprend pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Seulement l'Esprit Saint qui peut vous guider dans ma parole. Ma parole. Ma parole, elle est vérité. Elle est vérité. C'est cette même parole que les démons utilisent pour vous condamner. Cette même parole. Attention. Attention, je suis un Dieu de vérité. Si je ne l'étais pas, je ne vous aurais pas demandé de porter la ceinture pour vérité. Alléluia. Aucun menteur n'héritera de mon bonheur. Aucun menteur. Il n'y a pas de petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Si tu manques, tu as menti. Et s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, lorsque vous péchez, repentez-vous à la minute, à la minute. Parce que vous ne savez pas quand la trompette va sonner. Alléluia. Vous ne savez pas à l'heure que la trompette va sonner. Est-ce que quand la trompette va sonner, vous serez encore dans ce péché? Faut prendre les... Ne dormez pas, ne dormez pas avec le péché. N'attendez pas, dit le soir, je vais me repentir. Et si je venais à midi? Et si je venais à 15h? Et si même quand tu dors, tu dis, oh Seigneur, je vais prier à 3h du matin. Et si je venais à minuit? Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vous demande de vous lever, de prier, priez. Ne dites pas, Seigneur, je vais prier à mon heure de prière. Vous ne connaissez pas pourquoi le Saint-Esprit vous demande de prier. Parfois vous êtes attaqué. Attaqué spirituellement. Et normalement, vous devez vous lever. Et lorsque le Saint-Esprit vous demande de vous lever, ne vous levez pas nonchalamment. Ne vous levez pas avec la paresse, mais levez-vous comme un soldat. Alléluia.
un soldat. Je ne veux pas de bébé spirituel. Vous avez dépassé ce stade. Je ne veux pas de bébé spirituel. Je veux des soldats pour mon œuvre. Des soldats prêts à aller où je les enverrai. Prêts à aller partout. Femmes, soyez soumises. Église de Yaoundé, la femme manque de soumission. Soyez soumise. Vous manquez trop de soumission. Brisez-vous. La femme n'a pas le droit de monter, de prendre la chair, de prendre autorité sur l'homme. Non. La femme doit être soumise. Vous devez être soumise. Soyez comme Sarah. Soyez comme les Rebecca. Soyez comme les femmes de la Bible, de l'ancien temps, les femmes de mes serviteurs qui ont fait ma joie. Elles étaient des femmes soumises, des femmes dévouées à mon œuvre. Beaucoup veulent le don de prophétie, mais c'est un don dangereux. Ça ne s'accorde pas à n'importe qui. Même mes verses doivent faire attention. Que tu prophétises, que tu assures. Beaucoup d'entre vous, je ne vous utilise pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes utilisés. Vous êtes un prophétesse, mais je ne vous utilise pas parce que l'orgueil. Sarah, espère, je ne l'ai pas utilisée depuis parce que je ne voulais pas l'orgueil dans son cœur. Je ne voulais pas de l'orgueil. Ce don de prophétie est un don dangereux. Je l'utilise quand je veux, pour ma gloire. Alléluia. Et pas n'importe comment. Alléluia. Pas n'importe comment. Je peux même utiliser l'une d'entre vous durant l'évangélisation. Je vous saisis et je parle à mon peuple. Je mets les paroles. Tu n'as pas besoin que je te saisisse en plein coup. Ce n'est pas l'Éternel. C'est une fausse révélation. Ce n'est pas ça la prophétie. Dieu ne descend pas n'importe comment. Il descend seulement pour édifier son peuple. Amen. Pour édifier son peuple. Quand je suis là, mes vases le savent. Elles le ressentent. Elles le savent. Mais ce n'est pas en tout temps. Ce n'est pas chaque dimanche. Et lui dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Non. Je suis là. Claire. Je regarde. J'observe. Et je connais. Beaucoup d'entre vous. Je veux vous poindre, mais le péché. Je n'arrive pas à toucher l'impureté. Les mains ne sont pas trop courtes pour bénir. Les oreilles sont trop sourdes pour entendre, mais c'est le péché qui crée la séparation. Alléluia. Entre vous et moi. Un mur, ce péché-là, un mur. Est-ce que vous êtes séparés du monde pour mettre un mur entre vous et moi? Vous devez être proche de moi. Nous devons former un seul corps, un seul esprit. Parce que où je demeure, demeure la sainteté. Beaucoup d'entre vous, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Le Saint-Esprit ne descend pas sous un pansement. Dépouillez vos cœurs. Les cœurs doivent être dépouillés. Priez en tout temps, priez quand vous marchez, priez dans tout ce que vous faites, priez. L'ennemi rôde, priez. Si vous ne priez pas, vos vies sont en danger. Attention, priez. Je vous le dis beaucoup d'entre vous. C'est à cause d'un manque de prière que vous subissez certaines choses. Tout à fait. Priez. La prière, je ne viendrai pas chercher une église qui jeûne, qui médite et qui ne prie. Je ne viendrai pas chercher une église qui médite, qui prie et qui ne jeûne pas. Amen.
Je ne viendrai pas chercher une église qui prie, qui jeûne, mais qui ne médite pas. Seigneur, tu es rempli de sagesse. Tu as la sagesse, papa. Si vous ne priez pas, vous ne méditez pas, et vous ne jeûnez pas, vous ne faites cette marche, vous êtes vide. Vous êtes vide. Et c'est pourquoi l'ennemi peut entrer en vous. Vous devez être enflammé. Enflammé. La prière vous enflamme. La prière vous enflamme. Alléluia. La prière vous donne de l'autorité. La prière vous donne de l'autorité. Et vos prières, ce sont des flammes. Quand ça dégage, quand ça descend dans le camp de l'ennemi, ça dévaste tout autour. Beaucoup d'entre vous, vous priez, mais vous ne voyez pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Ce n'est pas parce qu'on prie, tu n'as rien vu, que tu dis Seigneur, je n'ai rien vu. Attention, je connais chacun de mes enfants. Je donne à qui je veux. À qui je veux. Je dépose ce que je veux en vous. Je ne donne pas. Si je ne te donne pas le don de prophétie, je sais pourquoi je ne t'ai pas donné le don de prophétie. Si je te donne le don de prophétie et que je perds ton âme. Si je te donne le don de vision et que je perds ton âme, je ne peux pas supporter perdre l'âme de mes yeux, mes brebis, mes seins, l'épouse, la table de nos esprits. La table de nos esprits. Amen. Amen. La table de nos esprits. Auprès de ton épouse. Seigneur, aujourd'hui, nous avons été encore enseignés à une autre dimension sur la prophétie. Tu nous as parlé sur l'église de Yaoundé. Tu nous as donné notre feuille de route. Tu nous as dit ce que tu attends réellement de nous. Tu nous as dit qu'il y a deux choses auxquelles tu tiens le plus, l'amour et l'évangélisation, la charité et l'évangélisation. Seigneur, nous savons que ce que tu as dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et nous te promettons que tout ce que tu nous as dit comme recommandation, que toutes les recommandations que tu nous as données ce matin, Seigneur, nous allons les appliquer. Nous allons les appliquer afin de faire ta joie. Nous allons les appliquer afin de te démontrer que nous t'aimons. Car il est dit dans ta parole, selon le livre de Jean 15, que celui qui t'aime garde tes commandements. Il est dit dans Jean 15 au verset 21 que celui qui t'aime garde tes commandements. Il est dit encore dans le livre de Jean 14, pardon, verset 21, que celui qui t'aime garde tes commandements et tu l'aimeras, ton père l'aimera et tu viendras souper avec lui. Éternel mon Dieu, mon roi, la plus belle preuve d'amour que nous devons avec, que nous avons vis-à-vis de toi, c'est de marcher dans tes commandements, c'est de marcher dans tes voies, c'est de marcher dans tes lois morales, c'est de marcher dans ta saine doctrine, c'est de la mettre en application. Seigneur, tu nous as dit dépouillez vos cœurs, vous êtes déjà dépouillés de corps. Mais votre cœur n'est pas dépouillé. Seigneur, nous te prions de nous pardonner pour la double vie que nous menons. Nous te prions de nous pardonner pour le mensonge que nous menons.
pour la duplicité que nous menons, pour la vie de dissolution que nous menons. Éternellement, Dieu mon roi, je te prie de pardonner à tes serviteurs, de pardonner à tes servantes, de pardonner à l'église de Yaoundé, mais à toutes les églises du monde entier qui professent ton nom. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Humecte ce pardon comme un parfait de bonne odeur. Seigneur, tu as dit que tu ne veux pas de bébés spirituels. Tu veux des soldats, des guerriers, des guerrières qui se lèvent dans la prière, qui se lèvent dans le jeûne et qui se lèvent dans la méditation de ta parole et qui se lèvent dans l'évangélisation et qui se lèvent dans la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. N'as-tu pas dit, Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est ta vie et la vérité. Tu as dit, tu es le Dieu de vérité. Et c'est pourquoi dans ta parole, selon Éphésiens 6, au verset 14, tu nous demandes de mettre la vérité à nos reins. Seigneur, que la vérité soit attachée comme ceinture à nos reins. Que la vérité soit partagée, soit propagée partout où nous irons, même au prix de notre vie. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement magistral que tu nous as donné, pour ces révélations que tu nous as données, pour ces recommandations que tu nous as données, pour ces commandements que tu nous as donnés. Nous les gardons soigneusement dans nos cœurs. Nous les gardons soigneusement dans nos cœurs, Seigneur. Tu as dit, tout passera. La prophétie passera. Le don d'audition passera. Le don de guérison passera. Le don de délivrance passera. Le don de guérison passera. Le don de résurrection des morts. Le don de la fécondité passera. Le don de la création passera. Mais ta parole, elle ne passera pas. Oh Seigneur, révèle-nous par ta parole. Que ta parole soit gardée dans nos cœurs. Donne-nous de marcher dans ta parole. Donne-nous de marcher dans ta crainte. Donne-nous de marcher dans tes voies. Et de persévérer dans ta parole, dans la foi, jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Elohim, nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Nous te disons merci pour ce que tu as commencé, pour ce que tu achèves en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Les hommes de Dieu, le dimanche, vous allez le partager. Vous allez le partager lettre après lettre, verset après verset, un peu l'entrée par là, sans que le maître. Et l'église va rentrer dans une profonde repentance. Le Seigneur a dit que beaucoup marchent encore dans la duplicité. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup marchent encore dans le mensonge. Beaucoup mènent encore une double vie. Beaucoup sont dépouillés de corps. Ne les sont pas dépouillés du cœur. Leur cœur n'est pas dépouillé. Après le message, j'allais demander au Seigneur, à l'Église, de rentrer dans un profond manque de repentance. Et après, vous allez inviter le Saint-Esprit à venir restaurer les cœurs, à venir délivrer ses enfants. Je vous le dis en vérité, ce soit un moment puissant. Alléluia. Oui. Je souhaiterais que demain samedi, que toute l'église jusqu'à dimanche reste dans le jeûne, afin que le Seigneur libère plusieurs de ses enfants, mais pas du tout ses enfants. À partir de demain, que toute l'église demeure dans le jeûne jusqu'à dimanche, à la fin du culte, vous pouvez couper le jeûne. Alléluia. Le Seigneur va descendre, il va restaurer toute l'église. Mais il faut que vous soyez disposés et que vous soyez aussi sincères de cœur pendant la repentance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'autres hommes vont s'occuper de Lydie. Moi, je vais m'occuper avec Esdras, je vais m'occuper de Charity. Amen. 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 Amen.